Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous accueillir aussi nombreux pour ce dernier concert du Léman Lyrique Festival. Le directeur de ce bel espace m'a demandé, dans la continuité de sa présentation, de vous dire deux mots de ce Léman Lyrique Festival. Léman, bien entendu, parce qu'on est autour du lac Léman. Lyrique avec un S, parce que on met en avant-plan le lyrisme de la musique. Évidemment, quand on parle de musique lyrique, on évoque l'opéra. Et il n'y a pas de plus grand chant lyrique que le chant mozartien, mais aussi le chant wagnérien. Et on a choisi le chant wagnérien comme inauguration de cette première édition. Et puis, lyrique, il y a un S, parce qu'il n'y a pas que la lyrique de la musique romantique. Il y a aussi la lyrique de la musique d'aujourd'hui. Et on a fait en sorte que pour chacun des concerts qui ont été donnés respectivement à Genève, pour deux d'entre eux, et ici même ce soir, de mettre en relation, en perspective, le cœur sensible du créateur d'aujourd'hui avec le cœur sensible du créateur d'hier. Et donc la philosophie de ce projet est triple, la transmission, parce qu'évidemment quand on a le bonheur d'interpréter les œuvres du passé, eh bien ces œuvres du passé nous engagent à réfléchir sur l'histoire de l'humanité. Donc il y a une transmission des œuvres à nous, une transmission à travers l'histoire. Et puis c'est aussi la transmission, j'ai envie de dire générationnelle, entre des musiciens aguerris et des musiciens qui sont remarquables et qui arrivent sur ce magnifique marché mondial de la musique, mais surtout avec cette passion commune. Et donc on a ouvert les frontières entre la France et la Suisse pour unir des artistes. Je considère qu'un musicien, avant tout, avant d'être un musicien, c'est un poète, il a une vision du monde singulière. Et donc on a uni et fait fusionner cette vision commune du monde, transmission. Et puis création, dans chacun des concerts, il y a ce moment très singulier qui est une œuvre en création. Et ce soir, on a la chance d'avoir Leonardo Marino, il n'est pas très loin de là, il est ici. Leonardo, c'est un jeune compositeur d'origine italienne et qui, vous savez, la valeur n'attendant pas le nombre des années, a déjà eu un opéra qui a été créé à la Biennale de Venise. Il a un projet de création d'opéra à Genève. Et lorsqu'on a évoqué ensemble ce projet commun et que j'ai découvert sa musique, j'étais frappé, absolument frappé par le lyrisme qu'il porte en lui. Alors évidemment, ce n'est pas le lyrisme de Verdi ou de Puccini, c'est un jeune compositeur d'aujourd'hui, mais le lyrisme s'utilise ailleurs que dans le bel canto, et on va vous donner quelques éléments peut-être de mise en perspective pour écouter sa musique à travers un certain nombre d'exemples. Le lever du jour, titre de cette œuvre, il a plusieurs évidemment sources d'inspiration, notamment l'univers de Tolkien, et pour lui c'est une invitation à la cosmogonie de ce grand poète. Il nous invite à un voyage dans le cosmos, mais il nous invite à un dialogue entre les dieux et les anges, et on est ainsi comme ceci sur ce support littéraire à partir duquel il s'inspire. C'est simplement un élément qui lui permet d'exprimer son émotion et son talent sur la matière. Et qu'est-ce qui fait un grand compositeur? C'est la capacité qu'il a de s'exprimer dans le temps, c'est-à-dire d'avoir une plastique du temps. Et c'est la manière d'entrer dans une œuvre avec un élément singulier. Beethoven savait faire ça avec la symphonie pastorale, le thème de la symphonie pastorale, le thème de la cinquième. Dès qu'on entre dans les premières notes, on entre dans un univers. Et Leonardo nous fait entrer dans cet univers, et il nous fait entrer comme un peintre. Il va nous apporter de micro petites touches sonores que l'on va détailler, mettre ce processus musical en route comme ça, comme une grande respiration, et très vite il va nous donner à sentir le lyrisme. Il n'y a pas de mots pour l'exprimer, c'est une respiration de l'être, et le lyrisme nous emporte. Et c'est une musique qui, tellement bien pensée et tellement génialement conçue, nous emporte très loin, parce que aussi les grands compositeurs qui savent commencer, savent finir les œuvres.
et nous prendre par la main et nous amener sur un chemin expressif et poétique. Et ça, c'est la maîtrise de la forme. Et Leonardo, déjà, a une maîtrise de la forme remarquable. Alors, à travers une dizaine d'exemples relativement courts, on va baliser ces trois mouvements et on vous donnera à entendre cette œuvre dans son intégralité, qui sera donnée, évidemment, en création française. Alors, voici le début, j'ai envie de dire, il était une fois.